Le rendement de conversion mécanique, électrique des alternateurs est d'environ 98%. L'essentiel des pertes se fait donc sur la conversion thermique mécanique des machines thermiques. La cogénération permet d'améliorer le rendement global de l'installation en valorisant l'énergie thermique résiduelle. Plusieurs technologies de turbines sont disponibles selon le fluide utilisé pour les actionner. Turbine à vapeur, turbine à combustion, communément, mais improprement appelée turbine à gaz. Turbine hydraulique, éolienne. Selon l'énergie primaire modifiée, on distingue parmi les énergies primaires converties en énergie électrique dans les centrales électriques, celles dites « renouvelables », biomasse, solaire, hydraulique et éolienne, et celles d'origine fossile ou nucléaire. Les combustibles fossiles sont, encore aujourd'hui, les énergies primaires les plus utilisées dans le monde pour la génération d'électricité. C'est principalement le charbon qui est utilisé, mais on trouve également des centrales au fioul et au gaz naturel, qui sont brûlées soit dans des chaudières, soit dans des turbines à combustion, turbines à gaz, soit encore dans des moteurs diesel entraînant un alternateur. Les autres combustibles et la biomasse et les déchets, ordures ménagères, peuvent être brûlés dans des chaudières spécifiques, mais ces combustibles sont plutôt utilisés dans des réseaux de chaleur. L'énergie nucléaire, elle, provient de la fission d'uranium, dont la chaleur dégagée permet de générer de la vapeur d'eau qui actionne une turbine à vapeur. L'énergie géothermique, cette chaleur provient des profondeurs de la Terre ou de certains sites tels qu'en Islande. L'énergie solaire, elle, est utilisée soit dans des centrales thermodynamiques, où la vapeur d'eau destinée à être turbinée est produite dans des chaudières solaires, soit dans des centrales photovoltaïques constituées d'une multitude de panneaux. L'énergie hydraulique dans les centrales hydroélectriques, la force du courant des rivières, centrales au fil de l'eau, de la chute d'eau, barrages, conduites forcées, ou des marées, usines marémotrices, est utilisée pour actionner la turbine entraînant l'alternateur. L'énergie éolienne, la force du vent permet d'entraîner directement un alternateur.